Et oui, les amis, on se retrouve pour un nouveau jeu, une nouvelle preview, puisque c'est dans le prochain titre de Amanita Studio qu'on plonge. Amanita, c'est qui? Bah, c'est entre autres Shoshell, si vous vous en souvenez bien. Un jeu qui était bien délirant, que j'avais recommandé pour toute la famille, parce que ça fait marrer autant les grands que les mômes. Et les voilà qui récidivent avec un titre qui s'appelle Happy Game. Et attention, spoiler, qui n'est pas supposé être happy. Alors, ça sent de loin le gros vieux point and click, il me semble. Et on va voir ce qui se passe. Alors c'est rigolo parce qu'on retrouve le design typique du studio, hein. Et puis leur façon de narrer les choses sans trop de dialogue en fait. C'est It's a Trap ça. Non. C'est quand même It's a Trap les gars. Et comme d'habitude, on vous lâche avec quelque chose où on vous explique absolument rien. Et il va falloir trouver les façons plus ou moins capillotractées de résoudre les énigmes qui sont présentées. Je sens que ça va démarrer d'une manière assez... Non, ça veut pas. Oh, le Bronx. J'avoue, j'ai pas tout compris. Ah, c'est le syndrome Shushel, ça recommence. Un truc qu'on veut choper et on nous le vole. Babal. I want the babal.
I want the bubble to play with, the bubble to eat it, to be fun. I want the bubble. Haha, c'est caché sous lequel? Sous celui-là, bien entendu. Oh, c'est lourd ça. Si vous allez faire des cauchemars ce soir, les amis, non, oui, c'est probable. Ouais, faut que je trouve une tête de singe. C'est la coutume. S'agissait sur celle-là. J'ai pas compris le truc. J'ai cette flèche qui clignote, je sais pas pourquoi. C'était juste pour continuer comme une nouille que je suis. Et je peux rien faire avec ces trucs, j'ai pas compris pourquoi du coup on m'a fait interagir. Il faudrait que je trouve une tête de singe. Elle est là. Alors j'espère que je vais pouvoir la rapatrier à gauche. Ce serait une bonne chose. No way, José. Je peux plus aller là à droite. Si. Hop, hop, hop. Viens par là. On va y arriver. Nous voilà bien. J'ai bon.
Oui, j'ai pas trop prévenu pour les gens qui ont de l'épilepsie, mais ça va être rigolo. Comment ça, vous avez un petit neveu déjà en train de baver sur le tapis par terre? Allez, enlevez-le, enlevez-le, ça fait sale. Vite, avant que la mère rentre. Ils sont toujours aussi fêlés chez Amanita, quoi. Ça a pas changé. Allez, on va voir ce qui se passe là-bas. Ah bah le revoilà, le ballon. Balloon. Oui, la vie, c'est beau, c'est simple, comme jouer avec une balle. Et des oursons fantômes. Et des ambiances un peu sombres et obscures parfois, avec des créatures qui sont plutôt pas sympas. Alors c'est vraiment dans la lignée de Chechel. On vous met dans des situations, vous cliquez, vous essayez, vous bidouillez, vous schtroumpflez. Je tirerai bien ce petit wad. Oh. La différence d'avec Chuchel, c'est que je pense que ce titre-là est pas trop pour les mômes. Ou alors les mômes d'un certain âge. Mais je pense qu'en dessous de 10 ans, la recommandation, ce sera de d'éviter quand même. Je vois pas trop quoi faire d'autre. Hein? Les papates? Non. Ah, je pige pas ce qu'ils veulent qu'on fasse. Ça marchera pas. Va là-bas, petit homme. Oui, mais je peux pas bouger. Ah, tu me fais chier, petit homme. Je regarde s'il n'y a pas des trucs ailleurs parce que je suis troublé, très troublé. Plus troublé qu'on pourrait l'être normalement. Les gars, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je n'ai pas compris. SOS. Je confirme, ils sont toujours aussi barrés chez Amanita. Je sais pas à quoi ils tournent, mais c'est pas fruité apparemment. Dans un jeu joyeux, il ne peut rien arriver de glauque, de noir ou de sinistre. On court simplement après une balle. Et la balle, c'est la joie. Thank you.
On y va au feeling, hein. On y va au feeling, comme d'hab. Alors, il y a un truc évident que je n'ai pas vu, j'en suis sûr. On va jouer à la bascule, mais est-ce qu'on peut bouger ça comme ça, non? Je teste. Je vais essayer de saisir ma balle de l'intérieur. C'est une bonne option, non? Parce que là, happiness, happiness, quoi. Peut pas aller plus haut. Oui, je vais me les positionner sur les joues, ce sera très bien. So. Oui, vous entendez le mulot qui clique. Je cherche désespérément quelque chose qui interagisse. J'ai un nouvel ami. Non, mais c'est un ami, croyez-moi. Amanita, quelle est l'histoire que tu veux décrire dans ce jeu? Oui, je souris, je ricane presque. Parce que, connaissant le studio, je m'attends vraiment à du gros. Et autant, on se souvient que Shushels, le but, c'était pas d'avoir un truc trop cohérent, on s'en fout. C'était de triper, de rigoler. Et là, Happy Game. On voit d'emblée que les gars prennent le sujet à contre-pied. Puisque dès qu'on arrive dans l'univers de ce personnage, on a l'impression qu'on voit une soirée goth. Donc je vous invite à suivre le jeu et puis voir ce qui va se développer autour. Je vais essayer de mettre la main dessus ou une préversion pour pouvoir vous en montrer un petit peu plus parce que pour l'instant on reste dans le Anything may happen. Oui, tout pourrait arriver. Allez, je vous abandonne sur cette belle nappe de synthé avec les playlists habituelles et le bouton d'abo. Ciao, waouh, waouh, waouh.